Afin d'instaurer une croissance inclusive qui profite à tous les Nigérians, les pouvoirs publics ont élaboré un programme de réforme ambitieux qui vise à s'attaquer aux défis de l'insertion sociale et économique en actionnant notamment le levier de l'économie numérique. Dans le cadre de cette initiative, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement ont investi 618 millions de dollars dans des programmes numériques au Nigeria. Le Nigeria a pour les deux principaux challengers l'Égypte et l'Afrique du Sud qui ont une longueur d'avance sur l'appropriation au numérique, sur la façon d'optimiser la compétitivité numérique. D'où la nécessité d'un pays comme le Nigeria d'optimiser les financements, d'optimiser les secours de la Banque africaine de développement et des autres banques de développement, permettant au pays de sécuriser son avancée, surtout dans le digital. Ce financement tripartite a pour objectif de promouvoir l'inclusion financière et la conversion à l'économie numérique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. S'exprimant le 22 septembre 2022 à New York, lors du Forum international de partenariat économique du Nigeria, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a déclaré que ce financement va soutenir la création de 225 start-up créatives et de 451 petites et moyennes entreprises des technologies numériques. Et le Nigeria, comme on le sait, innovateur, créateur et chercheur, le Nigeria va prendre une longueur d'avance là-dessus. Les pays africains doivent se servir de cet exemple pour optimiser le numérique et rendre les pays d'Afrique subsaharienne encore plus performants en termes de numérique. Et c'est là où les Africains pourront dévancer et sinon battre les pays du Nord. Ce nouvel appui financier aidera le Nigeria à consolider sa position de première destination des investissements pour les start-up en Afrique et de pôle d'entrepreneuriat pour les jeunes.